1500 employés, 40 000 visiteurs par match, 80 rencontres de football sans aucun incident, la mission du stade Vélodrome à Marseille remporte l'entière adhésion de l'OM. Depuis 3 ans, APAF travaille main dans la main avec l'Olympique de Marseille. À chaque épreuve, le même objectif, offrir une belle soirée de football malgré les travaux de rénovation. La mission demande une adaptation constante dans un environnement très normatif. APAF a su comprendre nos problématiques, c'est-à-dire qu'on attendait quelqu'un qui nous permettait d'être dans un cadre de prévention des risques hyper clair, mais aussi quelqu'un qui nous permette de comprendre notre monde, de comprendre l'ensemble de nos prestataires et comprendre le fait qu'on devait délivrer les prestations. Donc un double bénéfice, le premier c'est zéro accident et le deuxième c'est le fait d'avoir pu délivrer l'ensemble des prestations dans un cadre qui était quand même assez difficile. Difficile car chaque soir de match, une quarantaine de caméras évoluent dans l'enceinte du stade et pendant que le service de sécurité surveille le bon déroulement de l'épreuve, des prestataires assurent la restauration des milliers de spectateurs. Les portiques, les bâches, les structures gonflables doivent respecter les contraintes de solidité et de sécurité. Dans les loges, l'aménagement change constamment en fonction des sponsors. Aujourd'hui, on peut se retrouver avec des affiches de joueurs, comme vous le voyez ici, l'aménagement de tables, de chaises ou de banquettes, qui seront complètement différentes lors du prochain match. Et à chaque fois, on va faire une reconfiguration complète auxquelles on va répondre sur des exigences de réglementation de sécurité par rapport à la gestion du public dans cet établissement. Prévention des risques pour le personnel des prestataires de l'OM, mais aussi pour les visiteurs. La mission d'APAF se déroule en 3 étapes, l'établissement d'un plan de prévention, la mise en place de ce plan et l'assistance pendant toute la durée des rencontres. La mission commence déjà en début de saison, avec une rencontre avec toutes les entreprises qui vont participer au plan de prévention, que nous rencontrons et que nous sensibilisons aux risques particuliers du site. Ensuite, avant tout match, nous venons vérifier que la sécurité est bien assurée aux abords de l'endroit où vont travailler les personnes qui vont participer au plan de prévention. Pendant le match, nos ingénieurs tournent pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive. Et à la fin du match, nous assurons également qu'après l'événement, pendant les zones où les gens sont fatigués, il n'y a pas de dérive et qui pourrait entraîner un accident sur les travailleurs. 3 APAviens suivent le bon déroulement des opérations à Marseille. Le référent national d'APAV apporte cette expertise partout en France. Une expertise fondée sur de fortes compétences normatives et une grande souplesse d'écoute. Là, on est sur des travaux, surtout des situations éphémères, des aménagements et auxquels les entreprises intervenantes ne connaissent pas forcément les lieux. D'où l'avantage qu'on a mis en place à l'APAV, c'est de savoir s'adapter aux lieux et à la prise en compte de l'environnement par rapport aux différentes missions et aux exigences du client sur les différents sites. Une protection réglementaire, une adaptation du dispositif de sécurité en fonction des prestataires, une assistance avant, pendant et après les matchs, APAV a mis toute son expertise et son habileté technique au service de l'Olympique de Marseille pour faire de chaque rencontre un moment d'exception.